J'aime trop ce jeu. Il est trop délirant. Le passage à l'adolescence, à l'enfant et à l'âge adulte. Trop sympa. Hé, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Arrête mon cœur, je dois préparer le dîner. Je peux avoir un gâteau? C'est bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu pourras me faire mon dîner. Bonjour, Madame la Fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé? Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas, on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore votre voiture. Oui, c'est moi qui l'ai choisie, et même qu'elle va vraiment super vite. C'est par là.
Waouh, quelle belle maison vous avez! Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, Madame Lafay? Oh, non merci. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Non, Aiden. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. Allô? Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça! S'il te plaît, Jody, je suis occupé. Jody, tu m'as rapporté l'huile? J'arrive!
chérie. Tu vas bien? Oh, c'est l'ampoule, mon cœur. J'ai demandé à ton père de la changer, je sais pas combien de fois. Il y avait quelque chose, maman. Ce n'est que ton imagination. Il n'y a rien, regarde. Parfois, les adultes aussi imaginent des choses. C'est rien. Juste un câlin. Viens ici. Ça va mieux? Ok, faut que je m'y remette, mon cœur. Hé, mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Je t'appellerai pour le dîner. Jodie, où est-ce que tu vas? Le jardin est de l'autre côté, chaton. Bon, d'accord. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Hayden? Toi, t'as jamais froid. Tu veux bien me pousser, Hayden? Jodie, tu veux jouer avec nous? Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir!
Tu m'as raté! Allez-y, les nuls! Attaquez-moi! Il est par là! On y va, allez, on va le choper! Hé, hey, attendez-moi! Ah, il m'a eu! Ah. Allez, vas-y, lance-la! Cette fois, t'es foutu! Je t'ai eu! Non! Maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Philippe. Je lui ai rien fait du tout, c'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre, il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jody, non, celle-là, non, tu m'auras pas volé. Philippe, non! Va dans ta chambre. Allez! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. C'est dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est un monstre. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous? Ne sois pas ridicule, voyons. Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça.
T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden. On va tous les deux s'endormir. Et il va rien nous arriver de mal. Tête. Mais ils existent, maman, ils existent!